toutes et à tous, bienvenue dans ce studio moelleux qui est chez moi et surtout chez vous, parce que c'est meilleur quand on partage. Ce soir, c'est 69 minutes et plus si affinité, avec un personnage qui va tout simplement vous envoûter, mais sans le moindre chichi ni trucage. Il vient du Canada, il s'appelle Mesmer, et il conquiert le monde à grands coups de show, où il déploie sa maîtrise spectaculaire des techniques d'hypnose. Mesmer va-t-il profiter de cette soirée pour faire de moi sa marionnette sous vos yeux morbides? Vous le saurez dans quelques poignées de minutes. En attendant, aie confiance, crois en moi. Merci d'accueillir avec l'excitation qui s'impose, monsieur Mesmer. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue du fond du cœur. Je vous en prie. Merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis très heureux d'être là. Ah non, moi plus. Ah oui? Ah oui, c'est comme ça. J'ai décidé, moi plus. Et moi, j'anticipais le moment. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer ce soir? Mais en fait, à mon avis, vous en savez au moins autant que moi, parce que vous allez me réserver des surprises. Vous êtes mon premier invité avec des yeux aussi risqués. Ils sont d'un bleu fatidique. J'ai l'impression que si je vous regarde un peu trop, vous allez me transformer en poule pour un autre truc tout mou. Ah non, pas un poulet quand même. Pas ça, mais un truc tout mou, oui. Ouais, non? Peut-être pire que ça. Ah, mais voilà, pire, mais c'est génial. Quel merveilleux programme. Ouais. On va parler d'hypnose, de fascination, de magnétisme, ouais, de sophrologie, de transfert d'énergie. Il y a tout un tas de vocabulaire qui accompagne votre pratique. Alors, ce que vous faites, ça ressemble parfois un peu à de la magie, mais c'est surtout une espèce de panachage de nombreuses techniques, ouais, super perfectionnées. Hein. Absolument. Je me sers de plusieurs techniques pour créer l'état second dans l'esprit d'une personne qui vit l'expérience sur scène ou quand je suis face à face avec cette personne-là. La programmation neurolinguistique, on l'a dit, la sophrologie, l'hypnose, le transfert d'énergie, parce qu'on est tous énergie. Hein. On peut tous émaner et grâce à cette énergie, on peut se connecter. Donc là, je suis quoi comme énergie? Je suis chouette comme énergie? Oui, belle énergie. Ouais, belle énergie, oui. Je pense que c'est le contact se fait. En fait. Oui, absolument. Vous flattez. Ouais. Belle énergie. Très belle énergie. Merci beaucoup. Mais cela dit, là, vous parlez donc de techniques, ouais, qui s'apprennent, que, ouais, vous avez apprises. Pourtant, à vos débuts, on vous a soupçonné de sorcellerie, non? Encore aujourd'hui, hein, avec toutes ces années. Mais au début, c'est sûr que les gens avaient peur de moi, me traitaient de sorcier, par exemple, à l'école. Je m'en souviens. Ah, déjà à l'école? Oui, déjà à l'école, j'en faisais de l'hypnose déjà depuis que j'étais tout jeune. Alors, toi, le sorcier, là, approche-toi pas trop. Pourquoi? Qu'est-ce que vous leur aviez fait comme ça? Je n'ai rien fait, mais c'était la peur de l'inconnu, je pense. Ouais. C'était l'anticipation de ces gens-là. Et encore aujourd'hui, en 2019, 2020 même, je pense que ça va toujours continuer, il y a des gens qui pensent que je fais de la sorcellerie, que j'hypnotise avec des incantations, des trucs comme ça, que je prends la possession de l'esprit de l'autre. Oui, mais c'est des fausses croyances. Hein, et je suis là pour remettre les pendules à l'heure, mais ça prend plusieurs années avant que le message passe. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de magie, c'est sans trucage en plus. Hein. C'est vraiment sans trucage. Ce que je fais sur scène, c'est sans filet. Je travaille avec les gens qui sont là. Je fais des tests de réceptivité avec eux et je travaille avec les gens qui ont envie de vivre l'expérience sur scène. C'est sur une base volontaire aussi. Hein. Bien sûr. Il y a des gens qui ont peur de venir voir le show. Je suis volontaire. Oui, OK. Ah, ben, on l'essaiera, on l'essaiera. Oui, on essaiera. Ouais. Alors justement, ce soir, on va tenter de comprendre ensemble comment tout ça, ça marche. 1,5 million de personnes ont assisté à vos spectacles, je crois. Oui, c'est ça. 1,5 million de personnes sont venues voir Intemporel, mon ancien spectacle. Et maintenant hypersensoriel qui roule très bien. Alors 1,5 million de personnes ont vu mes spectacles et ça continue encore. Et vous avez déjà hypnotisé 500 000 humains, plus moi. Ça, c'est le programme. Oui, c'est vrai, plus toi. Ce sera l'un des enjeux de cette émission, vous allez m'hypnotiser, donc ça veut dire qu'en, oui, gros, je vais tomber dans vos bras. Ben oui. Non, mais c'est un truc qu'on voit but, souvent dans vos spectacles, c'est, ouais, vrai, on voit les gens tomber. Oui, ben ils tombent et je les prends au passage. Hein. Mais je ne suis pas obligé de les faire tomber, je peux les hypnotiser debout, ils peuvent rester debout. Mais souvent, je les fais tomber dans les bras parce qu'après, je les couche au sol, ils s'imaginent coucher dans leur lit. Alors, c'est des techniques. Hein. Et vous choisissez que des très jolies filles ou bien... Non, il y a aussi des mecs. Oui. Ouais. Non, mais disons que ça arrive des fois que je le sens. Je passe devant une personne et là, je le sens que c'est un bon sujet. Mais ça arrive que c'est un monsieur qui est grand, plus grand que moi, de deux têtes et qui est très grand, très, très costaud. Là, je me dis, vous merde, OK, s'il me tombe dans les bras, il va me casser en deux. Ouais, mais je le fais quand même. J'ai développé des techniques comme ça. Il tombe sur moi, je le fais glisser. Puis oui, c'est, oui, il s'en va au sol sans blessure, sans rien. Mesmer, la planche à savon. Oui, c'est ça. Pas mal. Effectivement, pourquoi pas. Vous venez de dire que parfois, vous passez devant des gens et vous percevez que ce seront, ouais, des bons sujets.
Oui, cette connexion qui existe entre l'être humain, j'ai appris à reconnaître ça. Et souvent, avant le spectacle, je regarde derrière le pendrillon, je vois le public s'installer, et là, je me dis, ah oui, cette personne, elle est réceptive. Ah oui, celle-là, je la sens. Enfin, ouais. Puis vous le vérifiez ensuite parce qu'il y a un test. Oui, je le vérifie, après, je les vois sur scène et la connexion se fait. Et ce qui est magique dans tout ça, c'est que quand on a déjà vécu l'expérience de l'hypnose, au moins une fois dans sa vie, bien, c'est beaucoup plus facile de le revivre par la suite parce qu'on a tracé le chemin vers l'inconscient. Après, c'est plus facile pour eux. Alors, ceux qui vivent l'expérience sur scène, par la suite, peuvent apprendre à faire de l'auto-hypnose et améliorer leur santé par eux-mêmes. Ouais. Ça, c'est magique. On va reparler justement des bienfaits sanitaires de l'hypnose. Vous parlez de votre spectacle. Dans quelques instants, on va examiner votre parcours. Mais d'abord, donc, histoire de se plonger dans votre univers qui est hors du commun, mais je propose de regarder la bande-annonce de votre tout dernier spectacle avec lequel vous tournez par Mont et par Vaud d'Or. Il s'intitule « Hypersensoriel ». Il nous promet de nous mettre les cinq sens dessus-dessous. Regardez. Votre énergie change de jour en jour. Vous êtes donc tous, à un moment, réceptifs à l'hypnotisme. Encore sceptique, faut le voir ou le vivre pour le croire. Décuplez vos cinq sens comme jamais dans votre vie. Ressentez l'inexplicable. C'est l'expérience d'une vie. Mesmer, hypersensoriel, avec un grand travail de mise en scène, on le voit. Et puis sur l'affiche, le deuxième S de Mesmer a pris la forme d'un 5. Ouais, pourquoi ça? Pour les cinq sens. D'accord. C'est Mesmer avec deux S, parce que je voulais ajouter un deuxième S à Mesmer, parce qu'originalement, Mesmer, Franz Anton Mesmer, écrivait seulement qu'avec un S. C'est un pseudonyme que vous avez pris pour la scène, et donc c'était le nom d'un médecin allemand... Autrichien, ouais, pardon. Franz Anton Mesmer, dans les années 1740 à 1800, quelque chose. Là. D'accord. Lui a découvert ou a osé parler du magnétisme animal. Imaginez, en 1700, parler de magnétisme, on pouvait passer sur le bûcher pour moins que ça. Alors, lui étant médecin, le monde l'écoutait. Ça a quand même fait des controverses à l'époque. Il a été excommunié de son village. J'ai vécu ça, moi aussi. Mais donc, Mesmer, ça, c'est l'origine du pseudonyme. Ouais. Et puis, le 5, pour les 5 sens, ça veut dire que pendant le spectacle, on est vraiment amené à ressentir quelque chose de particulier au niveau de nos 5 sens. Dans ce spectacle-là, la mise en scène est placée pour redécouvrir les sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher. Et alors, avec l'hypnose, on peut décupler nos sens, devenir plus sensible, percevoir des choses qui sont pas perceptibles normalement, mais sous hypnose, on peut s'en rendre compte. Un exemple concret de ce que vous faites? Faire changer le goût d'un aliment, par exemple, faire en sorte qu'un aliment ait un goût complètement différent de ce que la personne va goûter. On travaille là-dessus, on travaille à hypnotiser les gens aussi. J'hypnotise les gens avec une odeur. Et ça, c'est la première fois que ça se fait dans un show d'hypnose, parce que je l'ai déjà fait en cabinet et tout ça, mais sur scène, hypnotiser des gens, une trentaine de personnes avec une simple odeur. Ces gens-là rentrent dans un état second. Est-ce que c'est une odeur de chocolat? Parce que là, moi, je veux bien. Ça m'hypnotise tout de suite. C'est pas du chocolat et c'est pas du formol non plus, okay, ou du chloroforme. Alors, c'est une bonne odeur qui fait en sorte que ça stimule justement l'odorat, l'olfactif, et ils peuvent tomber dans cet état d'hypnose. On peut se faire hypnotiser avec tous nos sens. Le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût peut nous aider à plonger dans un état d'hypnose. Vous l'avez dit, le chocolat, ça vous fait déjà rentrer en transe. Certaines personnes, quand vont goûter un aliment, vont saliver, alors ça nous fait rentrer en transe aussi. Alors, nos sens, c'est très important. Et dans le spectacle, on va même découvrir un sixième sens qui se cache en nous. Et là, je ne peux pas vous dire c'est quoi le sixième sens, parce que vous allez le découvrir lors du spectacle. Et ce n'est peut-être pas le sixième sens que vous pensez. Hein? Vous nous mettez l'eau à la bouche. Ouais. Alors, le but de ce spectacle, c'est de nous connecter à notre subconscient. Oui. Mais qu'est-ce qu'on y gagne à se connecter à son subconscient? Bien, on découvre quelque chose qui est en nous depuis notre naissance, mais qu'on ne sollicite pas souvent. Hein. Notre subconscient, l'imaginaire, bon, c'est là. On a des outils dans notre cerveau qui peuvent nous aider à améliorer notre santé, nos cycles de sommeil, guérir d'une maladie beaucoup plus rapidement, régénérer les cellules de notre corps. Et grâce à l'hypnose que vous vivez sur scène, mais vous allez redécouvrir ça. C'est en nous, mais on n'a juste pas pris conscience que ça existait parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Mais ça, c'est en nous. On peut s'en servir dans notre vie pour les étudiants, par exemple. Les étudiants qui sont à l'école peuvent apprendre un texte beaucoup plus facilement, prendre des notes de cours, ça rentre en subconscient, et quand arrive le contrôle, on n'a pas besoin d'antisèche, hein, c'est dans notre tête. Alors, on se concentre et toute l'information que nous avons apprise pendant l'année revient facilement à la conscience. Et à ce moment-là, on réussit beaucoup mieux nos études. Moi, j'ai fait des études comme ça. Ah oui? Vous dites régénérer les cellules. Là, vous avez déjà beaucoup régénéré vos cellules? Oui. À tous les jours, je régénère mes cellules. En fait, vous avez 120 ans, mais vous en faites beaucoup moins. Exactement. Magnifique.
Oui. Alors, les Belges qui veulent se faire régénérer les cellules aussi, mais ils peuvent vous voir en spectacle. Ce sera le 10 décembre au Cirque Royal à Bruxelles, le 13 à Malmedy, le 14 au Forum de Liège. Et puis en juin, vous êtes de retour chez nous, le 10 au Spirou Dôme de Charleroi, le 11 au WEX de Marche en Famène. Ça, c'est le programme de vos venues chez nous. Oui, j'aime venir ici. J'ai les des Belges techniciens. Sont fascinables. Oui, mais. Très fascinables, plus. Mais ça ressemble à des Québécois en même temps, hein, au niveau de l'énergie, au niveau de la façon de penser, de réfléchir, l'attitude. Oui, ça fait penser à des Québécois. J'ai l'impression d'être chez nous quand je suis ici. Et j'ai des techniciens sur ma scène, avec moi en tournée, qui c'est des Belges. Hein, j'ai quatre techniciens qui sont Belges. Et ce sont les meilleurs de la bande. Ben oui, j'ai du plaisir avec eux. On va à la pêche. on va au spa. Chouette. Ça, je veux bien venir aussi. Hein, si tout le monde va au spa, chouette, quoi. Oui, dans les journées off. Pas mal. Sympa. Les gens sont bien traités avec Mesmer. Alors, un petit peu plus tard dans cette émission, vous allez tenter de m'hypnotiser, si vous voulez bien. Oui, absolument. On testera la chose, on verra comment ça prend, mais je vous préviens, je ne suis pas une fille facile. Ah, ben là. Mais d'abord... J'en ai connu d'autres. Mais d'abord, on va remettre les cartes dans le bon ordre pour comprendre comment vous en êtes arrivé là. C'est pile l'heure d'enquêter sur votre parcours de vie. Et pour ce faire, on a l'homme de la situation. Il est à peu près aussi magnétique qu'un couloir de la RTBF. Voici Serge l'archiviste. Qui a dit « Lorsque le contact est établi, je peux hypnotiser par téléphone, même par SMS ?» Ah ça, c'est Emmanuel Macron. Mais non Serge, c'est débile, c'est un hypnotiseur. Il est né au Québec le 2 août 1971. Petite raouette d'une fratrie de 5 enfants, il est un gamin timide qui rougit très fort à la moindre contrariété. Il est très tôt atteint du virus de l'hypnose. Qu'il a lui-même transmis à ses deux enfants. À 7 ans, Poupouf, l'aventure commence. Son grand-père lui offre un bouquin sur l'hypnotisme. Il est temps de... Ouais, c'est comme ça. Il y a des grands-pères qui offrent des Werther's originales. Le sien, il offre des bouquins sur l'hypnotisme. Ah, ouais. T'as pas plutôt une PlayStation? À 16 ans, il commence à faire des petits spectacles. Vous relaxez, demain vous vous sentez très très bien. Et une fois libéré de l'école, il apprend l'hypnothérapie en autodidacte. Oui, l'inspection du travail. Poncho, c'est pour une délation. Voilà. Un hypnothérapeute qui exerce sans diplôme. Au début de sa carrière, il enfile en parallèle un costume de graphiste puis de thérapeute, mais c'est toujours la scène qui l'attire. Regardez-moi dans les yeux. Il reçoit néanmoins une patientèle en cabinet. Ah ça, on n'est pas fâché avec l'humour au service archive. Mais bon, comme c'est pas trop son kiff, il arrête son activité dès le début des années 2000 pour se consacrer à son engagement véritable. La scène. Dès 2007, en lieu et place d'hypnotiseur, il opte pour le terme fascinateur. C'est plus classe. Cela coïncide avec sa première tournée et ses débuts en télé, au Canada pour commencer, puis en Europe. Pinement, vous commencez à dormir, Donne-moi la main et dormez. Bricoleur dans la vie comme à la scène, il est aussi à l'aise sur les plateaux ou sur les planches de l'Olympia qu'en rue, entouré de passants. Michel, dormez. Il a hypnotisé plus de 500 000 personnes dans sa carrière. Non mais je vais te dire, moi l'hypnose, c'est pas mon truc, et j'y crois pas du tout. Pas vraiment. Oui, c'est pour. Oui. Prenez mon argent. Vous voulez voir mon scrotum? Il, c'est Éric Normandin. Mais bon, comme c'est un peu difficile de percer dans l'hypnose quand on a un nom de boulanger, il a choisi le pseudo Mesmer. Magnifique bio signé Olivier Frépon. Très bon, très bon. Tout est exact, bien entendu. Ben oui, tout est exact. Ah ouais, absolument. Alors, à part les 500 000 personnes hypnotisées, là, c'est à 100 000 près. Ah oui, ben voilà, on y arrive. On est sur le point d'arriver aux 500 000. C'est mon but d'y arriver. Très bien. Alors, pseudo Mesmer, on en a déjà parlé avec les deux S pour, ben voilà, pour vous différencier de ce médecin autrichien de la fin du 18e siècle. Je voudrais revenir dans votre parcours sur votre toute première tentative d'hypnose. Vous étiez enfant, lui aussi. Il s'appelait Guilin, il avait 9 ans, mais à cause de vous, son bras est resté coincé dans une position toute raide. Depuis lors, il a réussi à trouver un métier, une femme, vous avez de ses nouvelles parce que Il est encore coincé comme ça. Voilà, c'est pas facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le but à 9 ans, écoute, j'avais 9 ans et là, je lisais mon bouquin, il y avait mon ami qui était là, Ghislain. C'est Ghislain. On dit Ghislain chez vous. Oui, Ghislain, ouais, Ghislain Papineau. Salut si tu m'écoutes, je ne sais pas si tu écoutes l'émission, mais sûrement. Et j'ai fait on pourrait dire un semblant de catalepsie. Je lui ai raidi le bras complètement. Il n'était plus en mesure de plier son bras comme ça. Et il essayait de plier, ça ne marchait pas. Et moi, je ne le croyais même pas. Je disais, mais non, arrête, Ghislain, tu peux plier ton bras, vas-y, plie-le. Et non, je ne peux pas, j'essaie, je ne peux pas. Je dis, arrête, plie-le. Je te le dis, je ne peux pas. Alors moi, pour vérifier, je prends son bras et j'essaie de plier.
et ça fait crac. Ah oui, ça fait crac. Et là, je le vois qui pleure parce qu'il dit non, je suis coincé. Et là, moi-même, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, merde, comment je vais le ramener? Et ça a pris 2 jours. Vraiment? Non. J'ai pris le bouquin à mon grand-père. Il dit, bon, ben comment faire l'effet inverse? Alors, je l'ai fait et ça a fonctionné. Alors là, ça, c'était mon premier test avec un être humain, avec Ghislain, qui s'est prêté à l'expérience. Et ça a fonctionné. Et par la suite, mais là, j'ai dévoré le livre. Et encore, parce que j'ai vu que ça marchait réellement. Ouais. J'avais une preuve, enfin, que c'était réel. Alors, je l'ai dévoré. Alors, cela dit, ça a marché, mais bon, c'était un petit peu compliqué, cette première tentative. Est-ce qu'on connaît des cas de véritables ratages, d'accidents liés à des tentatives d'hypnose? Non, moi, dans toute ma carrière, avec tous ces gens que j'ai hypnotisés, tous les shows que je donne, dans ma carrière, j'ai au-delà de 4000 shows de données déjà avec tous ces gens qui ont vécu l'expérience. Honnêtement, il n'y a pas de séquelles possibles qui m'est arrivé. Oui, mais avec vous, parce que vous maîtrisez. Ouais. Mais quelqu'un qui tenterait chez lui avec des proches, il doit peut-être se méfier. Moi, je suis thérapeute à la base. Alors, je sais, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'avoir une personne qui était en état de psychose, qui montait sur scène et je l'ai senti. Je voyais dans ses yeux, je disais, OK, l'hypnose n'est pas commencée, puis elle est déjà comme ça, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Et je le sens, je suis capable de percevoir tout ça. Mais au-delà de ça, même si on travaille avec une personne qu'on ne connaît pas, qui est peut-être en état de psychose et tout ça, ben là, c'est pas dangereux de vivre l'hypnose. Mmh. La personne va toujours remonter au conscient, va toujours s'éveiller, mais si elle est déjà dans un état psychotique, mais là, à ce moment-là, il faut savoir quoi faire avec cette personne-là. Ouais. Mais sinon, il n'y a aucun danger à vivre ça. Mais alors, normalement, quand on est sous hypnose, ça se passe bien, on vit des choses agréables. Ouais. Ça vous est arrivé de vous rendre compte que la personne préférerait rester sous hypnose plutôt que de retourner à sa vraie vie, en quelque sorte? Oui, ça arrive, parce que des gens qui vivent l'expérience sur scène, ils sont tellement bien dans cette état de sommeil profond, qui veulent y rester. Alors, quand je dis aux autres, alors maintenant, on s'éveille. Hop! Habituellement, ils se réveillent tous, mais il y a des gens qui restent là. Ils veulent rester là. Et moi, je le sais par expérience, il y a des gens qui s'endorment dans le spectacle dans la première partie. Et j'essaie une fois, je dis, bon, OK, maintenant, réveillez-vous, mais là, elles restent là. Mais donc, c'est elle qui a décidé à ce moment-là de rester. Oui, c'est elle qui décide. Donc, vous ne contrôlez pas, vous ne gérez pas ce qui se passe. On ne gère pas. Moi, je suis là pour faire des suggestions. La personne capte des suggestions, elle en fait ce qu'elle veut. Mais quand je vois que ça arrive, mais je la laisse dormir, cette personne. Parce que je le sais qu'elle en veut, qu'elle en a besoin. Des fois, l'entourage autour panique un peu parce que son mari dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Elle va se réveiller un jour. Faites-vous-en pas, ça va se réveiller. Ouais. En général, ça prend 2-3 jours et ils reviennent au nord. Non, mais ils se réveillent toujours en bien 10-15 minutes. Hein, après, ils se réveillent. Mm. Et quand ils entendent le show qui continue, ils ont envie de voir le show aussi. Alors, ils se forcent à sortir du truc et ils ressortent de l'hypnose par eux-mêmes. C'est impossible de rester accroché à l'hypnose. Hein. D'accord. Vous allez toujours vous en sortir. Ça, c'est par expérience, je le sais. Hein. Ouais. On va continuer à parler de la manière dont ça marche, mais avant ça, moi, je voudrais qu'on vive les choses en temps réel. C'est le moment de vérité. Vous avez accepté de nous faire une démonstration de vos pouvoirs ce soir. Alors, laissez-moi devenir votre sujet devant tout le monde. Oh, parfait! Et votre défi répond à l'intitulé Naïf et mignon, 1, 2, 3, tu dors. Mesmer, on va s'installer ici au centre du plateau. Parfait. Je vais laisser mes petites filles, j'en ai pas besoin. Hein. Non, juste, c'est moi qui vais prendre le contrôle, hein, je pense. Voilà, vous allez contrôler, moi je vais m'asseoir là. Juste préciser que quand on vous voit faire, et ça a été mon cas aussi, quand on vous voit faire à la télé, on soupçonne que c'est pipé. Alors, est-ce que vous m'avez pipé? Non, pas du tout. Vous ne m'avez pas pipé? Non. Et vous? Non? Non, pas du tout. C'est pas mon style. Non, mais comment convaincre les gens qu'il n'y a pas de trucage, quoi? Ben, il faut le vivre pour vraiment le comprendre, le croire. Il faut venir voir le show, l'essayer. Puis un jour, vous allez vivre l'expérience. Ou peut-être un de vos amis, une personne de votre famille, de votre entourage va le vivre. Alors là, le scepticisme va tomber. Mais déjà, on va commencer avec vous. D'accord. Installez-vous. Très bien, je m'assieds. Okay. Alors, vous n'avez pas à m'aider à faire une performance aujourd'hui. Non, bon, pas c'est du ça. Tout. Ah, vous n'avez pas à m'aider non plus à faire ma crédibilité aujourd'hui. Non. Bon, parfait. Alors, on va commencer par le test de réceptivité que vous avez peut-être déjà vu dans d'autres émissions de télé. Un test, c'est vos préliminaires digitaux, là. Oui, c'est ça. C'est mon test que j'ai inventé quand j'étais tout gamin. Alors, le test dont les mains sont collées ensemble. OK? Alors, on va placer nos deux mains comme ça, à la hauteur des yeux. On va déplier les index et on ouvre les doigts. On regarde l'espace qu'il y a entre les doigts. Fixez l'espace, fixez le vide qu'il y a là entre les doigts. Imaginez que je transperce les doigts ici avec une vis. Concentrez-vous sur les doigts. Et là, je prends la vis et je serre la vis maintenant. Et regardez vos doigts qui se rapprochent et se collent. Regardez bien vos doigts se rapprocher, se coller, se souder. Les doigts se rapprochent, se collent. Et au compte de 3, vos doigts resteront coincés, collés, soudés. Peu importe ce qui se passe, étant je ne vous dirai pas le contraire. Alors avec le 1, les doigts collent maintenant. Avec le 2, de plus en plus collés. Et avec le 3, vos doigts restent coincés ensemble. Impossible de les bouger. Impossible de les séparer.
Essayez de séparer les doigts et constatez que vos doigts ne bougent plus, coincés ensemble. Joël, vous essayez en ce moment? J'essaie, oui. Vous essayez de séparer les doigts? Oui. Parfait. Vous sentez que c'est coincé? Oui. Parfait. On va aller plus loin. La première étape est faite. La concentration est maintenant sur le bout des doigts. Vous inspirez. Vous expirez. Vous fermez les yeux. On prend contact ensemble. Et le sommeil vous envahit. L'imaginaire prend le dessus sur la réalité. Et vous commencez à dormir. Dormir. Et vous dormez profondément dans un monde de rêve et d'imaginaire. Joël, impossible pour vous de tomber de la chaise. Vous êtes bien assis sur cette chaise maintenant. Vous êtes dans un monde de rêve, d'imaginaire. Ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix et vous dormez profondément dans un monde de rêve et d'imaginaire. Concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. On peut séparer les doigts dans un monde de rêve et d'imaginaire. Joël, si vous m'entendez, levez la main droite très haute, maintenant. Baissez la main droite. Parfait, tout va bien. Joël, vous pouvez me parler, vous m'entendez maintenant? Je vous entends. Vous entendez le public autour ici, la musique qui est là? Oui, j'entends tout. Alors, ouvrez votre esprit, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Et on va descendre encore plus profond au niveau du rêve, de l'imaginaire, avec le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ouvrez votre esprit. Concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. Comme dans mon spectacle, on fait une performance avec les sens. On va travailler le sens du goût aujourd'hui. Alors, Joël, concentrez-vous sur ma voix. Vous entendez ma voix. À mon signal, Joël, il y aura tout près de vous, dans une assiette, une entrecôte. Je sais que vous aimez la viande. Alors, vous allez voir cette entrecôte et vous allez la dévorer, la manger. Et vous allez l'adorer, cette entrecôte. Alors attention, Joël, toujours dans un état d'hypnose, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et voir cette entrecôte. Ouvrez les yeux maintenant. Regardez, elle est là. Servez-vous, Joël. Elle est magnifique, cette entrecôte. Montrez-la à la caméra. Montrez cette belle entrecôte à cette caméra. Prenez-la dans les mains, un petit morceau, hein? Et on peut y aller. Allez-y. Une belle entrecôte, croustillante, bien cuite. Hein? Vous aimez la viande bien cuite ou plus saignante? Saignante. Saignante, OK. Alors, allez-y, dégustez-la, savourez-la, tout va bien. Alors, quand je vous dis qu'on peut travailler sur les sens avec une personne qui est dans un état d'hypnose, on en a la preuve ici. On peut l'avaler, hein? Ouais, prenez le temps de mastiquer. C'est bon, Joël? Très bon, c'est juteux. Bon. C'est juteux? Ah oui. C'est bien cuit, à point pour vous? Mmh. Oui? C'est bon. Parfait, c'est bon. Alors, attention. Peut-être prendre un petit verre de vin, ici. Je vous rappelle que c'est de l'eau. Mais vous, c'est du vin. Pour Joël, c'est du vin. Vous aimez le vin blanc? C'est du... Je préfère le rouge. Le rouge? Vin rouge. Les coriaces, la viande, ou... Ça roule en bouche? Une grosse bouchée. Ah! C'est peut-être un petit morceau de nerf. Un peu de gras, peut-être. Allez-y. C'est très bon. C'est très bon, hein? Ouais, merci, Joël. Je l'ai fait juste pour vous, hein? Alors, ce vin rouge? Il est bon. Il est bon? D'odeur? Oh, j'y connais rien. Non? Il est bon. Regardez bien, il n'y connaît rien, mais on va lui donner un personnage. OK? Joël, fermez les yeux. Dormez. Maintenant, vous êtes une grande sommelière. Vous allez décrire ce vin rouge de façon positive, de façon dithyrambique, parce que vous l'adorez. Ouvrez les yeux. Grande sommelière. Joël, décrivez ce vin rouge. Il a une des belles jambes. Des belles jambes. Oui. Il a une robe soyeuse. Soyeuse. Il a un nez profond avec... du boisé dedans. Boisé. Il y a du champignon. On peut goûter? Et puis? Il y a du chêne, du cuir. Du chêne et du cuir. Mm. OK, maintenant, on va la faire remonter au conscient. Donnez-moi le verre, fermez les yeux et dormez.
profondément dans un monde de rêve et d'imaginaire. Maintenant, Joël, au compte de trois, vous allez remonter au conscient. N'allez pas vous souvenir tout de suite de ce que vous avez fait. On va vous montrer des images plus tard. Alors attention, Joël, à mon signal, vous allez vous éveiller. Belle énergie, beau sourire, avec le 1, 2 et 3. On revient au conscient. On se sent bien. Ça va? Très bien. Oui? On peut l'applaudir, Joël, mesdames, messieurs, oui. Ça va? On a fait quelque chose. Merci. On a fait quelque chose. Vous avez un souvenir ou pas? Oui. Un souvenir de quoi? On a dégusté. Dégusté? C'était une viande rouge. Un entrecôte? C'est ça. C'est ça? Allez, venez vous asseoir. Oui, on va vous montrer quelques images un peu plus tard. On peut l'applaudir encore une fois. Ça va. Asseyez-vous. Très bien. Très bien. Comment vous avez senti l'expérience? Comment c'était? Eh bien, je me suis sentie... Mais je me sens encore un peu. Hein? Un peu quoi? Encore un peu comme ça, à tanguer. Je me suis sentie oui. Vraiment... Oui. Mais ça, c'est la connexion, l'hypnose qui est dedans, qu'on vous fait descendre dans un état de sommeil profond. Et si vous avez... Est-ce que vous avez de la difficulté à vous éveiller le matin, par exemple? Est-ce que ça vous prend du temps de vous éveiller? Ouais, c'est pas... Alors, c'est un peu la même chose avec l'hypnose, quand on remonte de l'hypnose. Je suis encore engourdi. Oui, c'est ça. Et si ça vous prend un café pour vous éveiller le matin, ça peut peut-être prendre la même chose. Là, vous ne pouvez pas m'hypnotiser pour que je croie que c'est du café? On pourrait, oui. Non, mais c'était... est-ce que vous avez eu l'impression que j'ai fait des trucs? Enfin, je veux dire, je ne sais pas très bien, moi. Non, mais vous allez voir les images un peu plus d'accord. tard. D'accord. Eh bien, oui, la réelle m'avait promis qu'on verrait les images. On peut les regarder maintenant. Je vérifie qu'on a les images. Donc, voilà. On va les envoyer maintenant, tout de suite, de cette expérience où j'étais entre vos mains. Fermez les yeux. On prend contact ensemble. Et le sommeil vous envahit. L'imaginaire prend le dessus sur la réalité. Et vous commencez à dormir. Dormir. Et vous dormez profondément dans un monde de rêve et d'imaginaire. Montrez cette belle entrecôte à cette caméra. Prenez-la dans les mains, un petit morceau, hein, et on peut y aller. Allez-y. Une belle entrecôte, croustillante, bien cuite. Hein. Vous aimez la viande bien cuite ou plus saignante? Saignante. Saignante, OK. Alors, allez-y, dégustez-la, savourez-la, tout va bien. Alors, ce vin rouge... On vient de me dire, dans l'oreillette, que ce que j'ai avalé, c'est une punaise d'eau géante. Exactement. Oh, je connais rien. Non? Punaise d'eau géante. Qui était quand même... C'est comestible, quand même. Oui. Et mais j'aurais jamais mis ça dans ma bouche de toute ma vie. Pour vrai? Ah non, non, jamais. Alors, vous jamais, avez jamais. Pris, vous avez enfilé ça. Vous avez... Moi, quand je l'ai vu, hein, ça me fait peur. J'ai vu, il y avait des yeux comme ça qui me regardaient. J'ai fait, non, moi, j'aurais jamais mangé oh, ça. Oh mon Dieu, il y avait des yeux. Oui. La tête aussi. Les yeux, la tête, les ailes. Ben, on peut peut-être supprimer ces images pour toujours, jusqu'à la fin de la vie. Ben non, mais c'était bon pour vous, vous avez dégusté ça. Comment vous voulez que je sois encore quelqu'un de sexy? Plus personne ne va jamais tomber amoureux de moi, c'est horrible cette histoire. Non, c'est terrifiant. Non, mais c'est bien, c'est votre imaginaire qui vous a aidé à vous surpasser. Vous avez dit que jamais vous auriez mangé quelque chose comme ça, mais là, sous hypnose, on a réussi à contrecarrer ça. On a fait en sorte de travailler sur le sens du goût pour que ce que vous aviez mangé, mais avez-vous senti que c'était un entrecôte pour vous, une entrecôte? Oui, j'avais l'impression de sentir le juteux. Quand vous avez croqué dedans? Ah, c'est particulier, hein? Ça, c'est le cerveau. Imaginez si on disait à nos enfants que les légumes ou le brocoli, le goût du chocolat, ça marcherait très bien. Oui. Mais il y a moyen, vous croyez? Oui, il y a moyen. Il y a moyen de faire ça. Ouais. OK, mais donc on va tous s'y mettre, quoi. Tous les parents vont se mettre à l'hypnose. Mais bon, le show! Bah, à fond, bien sûr. Oui, mais on veut devenir expert aussi, quoi. Ah, alors, absolument. Je vais en profiter. Là, je suis en train de reprendre mes esprits parce que, honnêtement, je me sens encore un petit peu cotonneuse. Oui, c'est normal. Donc, c'est... Vous avez réveillé de façon rapide et c'est l'éveil, comme l'éveil du matin, ça vous prend un peu de temps à vous éveiller, mais je peux vous donner un petit boost d'énergie si vous voulez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que. Ben, donnez-moi la main, vous allez sentir ça, OK? Vous fermez les yeux et maintenant, vous sentez cette énergie qui traverse en vous. Et l'énergie, cette couleur rouge-là, c'est de l'énergie pure, simple. Et vous allez vous éveiller et vous allez avoir cette énergie flamboyante en vous. 1, 2, 3. Et voilà, on revient. Très bien. C'est bien. D'accord. Vous êtes un Red Bull ambulant. Oui, c'est ça. Formidable.
Non mais on fait des économies avec vous, on fait des économies de médecins, on fait des économies de boissons énergisantes, on fait plein d'économies, oui, c'est formidable. Quoi. Enfin, c'est il faut payer le prix du spectacle. Hein. Hein. C'est votre cerveau à vous, parce que moi je suis là pour vous guider, mais c'est lui qui a tous les outils pour vous, vous amener là. Ouais. Et on fait des économies de vin rouge aussi, parce que j'ai plus besoin d'acheter des vins hors de prix. Oui. Bon, alors c'est David qui me l'a dit dans l'oreille, parce que j'aurais pas eu l'idée. Alors, je vais en profiter, comme j'ai vécu ce moment, et que moi je peux à présent témoigner de ce que j'ai vécu, mais je vais en profiter aussi pour qu'on essaye de répondre aux questions que tout le monde se pose au sujet de vos pratiques étrangiformes, mesmer. Alors, ça va être la foire aux questions, mais c'est pas moi qui vous les pose, les questions, ce sont les plus grands fans de 69 minutes sans chichi qui se sont bousculés pour participer à cette session de questions-réponses. On regarde la première intervention tout de suite. Okay. Bonjour, Sabrine de Hucle. Je voudrais savoir ce qui se passe exactement dans le cerveau des personnes que vous hypnotisez. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau, mais vraiment concrètement? Bon, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que quand nous sommes éveillés, les ondes bêta, la vibration de notre cerveau dans les ondes bêta, c'est-à-dire 21 vibrations par seconde, pulsations seconde. Et quand... Donc ça, c'est un donné. Il y a des ondes comme ça dans le cerveau. Oui, c'est ça. Ça a été étudié, tout ça. Et quand je vous descends au niveau du subconscient, qui est à 14 pulsations seconde, là, c'est l'imaginaire qui prend le dessus sur la réalité. On peut même vous faire descendre au niveau θ, qui est 7 vibrations seconde. Donc vous faites baisser le niveau de vibration du cerveau. C'est que le cerveau commence à vibrer à 7 pulsations seconde au lieu d'être à 21. Et on voit, on a pu le voir avec les casques à IRM, que c'est tout le cerveau maintenant. Quand je plonge une personne dans un état d'hypnose, c'est tout le cerveau qui se met en mode θ, à 7 vibrations seconde ou à 14, si vous êtes au niveau alpha. Vous avez fait de moi un légume, en gros. Non. C'est que vous êtes dans un état de réceptivité. L'imaginaire est très fort et très puissant. Vous avez l'impression d'être là à l'endroit que je vous propose. Alors, c'est dans le cerveau, il y a quelque chose qui se passe. On essaie de comprendre un peu mieux encore comment l'hypnose peut être décrite, définie. Et on a maintenant des outils qui nous permettent de le voir sur des ordinateurs. Avec les casques à IRM, j'ai participé au CNRS aussi avec des expériences comme ça. Mais hypnose en grec, c'est le sommeil, mais ce n'est pas un état de sommeil. Moi, j'étais pas, je ne dormais pas. C'est un état modifié de conscience. Je vous entendais, quoi. Oui, et ça dépend à quel niveau je vous emmène, parce qu'en général, quand je vous emmène dans un état comme ça, où j'ai besoin que vous soyez en mouvement, que vous avez à regarder, ouvrir les yeux, vous êtes conscient de l'environnement, mais en même temps, il y a une distorsion entre le rêve et la réalité. Vous le savez, vous êtes là, mais en même temps, vous êtes dans le truc. C'est la même chose sur scène. Quand j'ai une personne, exemple, vous êtes à la plage, les deux pieds dans le sable, la personne va se sentir à la plage, elle va sentir le sable entre ses pieds, mais quand elle ouvre les yeux, elle voit le public. Alors, elle sait qu'elle est sur scène, mais en même temps, elle s'imagine dans le sable. Alors, c'est pour ça que j'ai créé un numéro avec la réalité virtuelle qui plonge tout à fait, qui sépare du public et du contexte du show. Quoi. D'accord. Ça, c'est très puissant, ce numéro-là. OK, ben oui, j'imagine. Impressionnant. Si déjà comme ça, là, en ressentant le public, c'est déjà fort, donc ça doit être fou. Avec le casque virtuel, mais là, on est vraiment dans le truc. On voit les images que je propose, on a l'impression d'être là réellement. Et pour le public, mais ils ont la chance de voir ce que la personne voit dans le casque. Ça va être transmis sur les écrans géants derrière moi. Et on comprend ce qu'il vit, on comprend qu'est-ce qui le stimule, qu'est-ce qui l'intéresse dans l'aventure que je lui propose. C'est fascinant. Et la technologie vient au secours de ce show, c'est fascinant. Oui. Question numéro 2, les fans s'expriment. Allez. Bonjour, Céline de Tournai. Est-ce que tout le monde est susceptible de succomber à votre technique? Alors, question que tout le monde se pose, est-ce que chacun peut se faire hypnotiser ou bien il y a des gens qui sont vraiment tout à fait rétifs? Non, on est tous hypnotisables. Il y a des gens avec qui on doit travailler plus longtemps, il y a des gens avec qui on doit prendre des techniques différentes. Mais éventuellement, si vous décidez de faire une thérapie, par exemple, vous n'allez pas tomber en 5 secondes. Quoique peut-être que oui, vous faites peut-être partie des 20% de gens qui sont très sensibles à l'hypnose rapide. Sinon, on peut travailler avec vous pour vous aider à conditionner votre cerveau à plonger dans cet état-là. C'est un conditionnement et ça évolue de jour en jour, d'heure en heure, de seconde en seconde. Je me souviens, on avait déjà testé ensemble et ça n'avait pas fonctionné. Oui, il y a 3 ans, je pense. Il y a 3 ans, ça n'avait pas fonctionné. On était dans les coulisses de l'émission et vous aviez choisi les animateurs les plus réceptifs. Et il y a 3 ans, ça n'avait pas marché. Et là, ça a marché de façon instantanée. Alors, c'est un conditionnement qu'on peut faire. La technique va varier d'une personne à l'autre, mais tout le monde peut vivre l'expérience. Oui, puis j'avais peut-être besoin de vous avoir juste pour moi toute seule. Ah, peut-être. À mon avis, c'était ça. Je ne voulais pas partager. C'est plus intense. À mon avis, c'est ça. Alors, encore une question, mais voilà, d'un fan de 69. Allons-y. Salut, c'est Romain de Liège. Je voudrais savoir si c'est possible d'obliger quelqu'un à commettre un vol sous hypnose ou à se déshabiller. Ouais, alors... Est-ce que c'est possible?
Bon. Parce qu'on l'a, bon, y a, évidemment, il y a tout le pan éthique de l'éventuelle malhonnêteté qui pousserait un dans un état d'hypnose en soi, nous sommes protégés de nous-mêmes et de l'environnement. Alors, si je vous demande quelque chose qui va au-delà de vos valeurs, vous allez refuser la suggestion. Si je vous demande d'aller dévaliser une banque, par exemple, et que ça ne fait pas partie de vous, vous allez le savoir. On voit des numéros sur l'Internet avec des gens dans la rue qui, tout à coup, convainquent quelqu'un de donner son portefeuille à quelqu'un d'autre. On voit ces numéros. Ça, je peux arriver à le faire parce que c'est quelque chose, par exemple, si tu prends la bonne personne, tu peux réussir avec la bonne personne à lui faire faire ce que tu as besoin de faire. Quand je dis qu'on ne peut pas dévaliser une banque, si je demande à une personne qui, elle, ses barrières sont loin, elle va pouvoir le faire peut-être parce qu'il y a des gens que, même dans la vie de tous les jours, ont envie de dévaliser une banque pour avoir... Alors, si je leur donne la permission avec l'hypnose, ça pourrait arriver. Alors, c'est pour ça que dans mon spectacle, je fais une mise en scène où les gens vont... Ben, ça sera politiquement correct aussi parce que je le sais que tout ce que je vais demander, tout le monde va l'accepter, même si on va des fois dans la limite du politiquement correct. Mais on sait que le subconscient va dire « Vas-y, t'es là pour avoir du plaisir. » Mais vous êtes quand même d'accord pour dire qu'il y a un risque de dérive si quelqu'un de malveillant utilise ces techniques, il pourrait profiter d'une autre personne. Pas vraiment avec l'hypnose. Hein, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'hypnose pour pousser quelqu'un à aller faire un vol de banque, par exemple, ou justement les grands gourous de ce monde-là C'est quoi leur technique à eux, ben, grands gourous, psychologique, les drogues, l'alcool, les médicaments vont faire en sorte que les barrières naturelles de la personne vont s'effondrer, puis après ça, ils peuvent les influencer. Mais ce n'est pas vraiment des techniques d'hypnose. Si on parle de l'hypnose pure et simple comme ça, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire quelque chose qui va au-delà de ses valeurs. Ouais. Vous n'avez jamais eu de regret, vous vous êtes jamais dit, ben, je suis allé peut-être un tout petit peu trop loin avec tel sujet, dans telle expérience? Non, pas vraiment, parce que si ça va trop loin, la personne en sort d'accord. de l'hypnose. Alors si elle le fait, si elle l'accepte et qu'elle le fait, c'est qu'inconsciemment, ça elle est prête à le c'est faire. Prêt, c'est d'accord. ça. Parce que j'ai un numéro, ce que je fais danser deux mecs ensemble dans mon spectacle, dans mon ancien spectacle, je faisais ça, deux mecs danser ensemble, Il y a un mec, lui, était vraiment homophobe, il pouvait pas danser avec un mec. Alors il a vraiment contrecarré mes plans, il a refusé la suggestion, il s'est éveillé, il disait non, moi je peux pas faire ça. Voilà. Ben, écoute, mais c'est ça, ça lui appartient. Oui. Alors, c'est rassurant, justement, sur le fait qu'on ne devient pas la proie de vos tentatives de prise de contrôle, quoi. Non, exactement. Alors, en tout cas, vos techniques, quelle que soit la façon dont on les explique ou pas, elles peuvent aussi faire du bien très concrètement. Vous avez pu notamment soulager d'une grande douleur la femme d'un ami très cher. Et cet ami, c'est votre compatriote chanteur, le légendaire Robert Charlebois. Regardez son témoignage étonnant. Ah oui. Je fais partie des sceptiques confondus. Alors, je me disais, bon, c'est un peu de la magie, c'est un artiste, c'est un thérapeute, et un mentaliste. Un jour, j'ai eu l'occasion de faire une émission de Noël avec lui, en plein hiver au lac Sakakomi. Et il y avait la chambre à côté de la mienne. Il m'invite dans sa chambre. Il y avait Linda Lemay, Isabelle Boulay, Cavana. Et moi, ça n'a pas fonctionné, le fameux « les doigts », si vous pouvez... détachez vos doigts, t'es pas un bon sujet, Linda non plus. Et je regarde ça de très près. Et puis dans la chambre où on était, à un moment donné, ma femme a dit... Elle voulait vivre l'expérience. Puis il a endormi ma femme comme ça. Puis moi, ma femme, je suis marié depuis 40 ans, je sais quand elle fait semblant. J'ai dit, combien je te dois? Mais en tout cas, elle est restée endormie pendant une demi-heure, puis il l'a réveillée, puis elle savait vraiment plus où elle était. Et... hier, on s'est croisés dans un petit spectacle, une salle assez funky, là, dans un caveau de la République. Elle était mal assise, elle avait mal au dos. Il a mis sa main sur son dos. Il a guéri son mal de dos en l'espace de 5 minutes. Et quand j'ai mis ma main, parce que ma femme était assise entre nous deux, j'ai senti une brûlure, mais quasiment comme une brûlure de grille-pain, là. Et il y a une énergie, il y a une zone qui donc, moi, j'y crois beaucoup. Écoute, il fait des choses qui me mystifient, que je peux pas comprendre. Et c'est une zone que je respecte infiniment parce qu'il y a des gens qui font des opérations. Ils vont fouiller à l'intérieur des gens uniquement sous hypnose. Il y a des gens, j'ai que des amis qui ont arrêté de fumer à travers l'hypnose. On sécrète des endocannabinoïdes, je ne sais pas avec quelle vibration il peut jouer. C'est mystérieux, c'est fascinant et c'est un sacré phénomène. Et dans la vie, c'est un homme bienveillant. Il a des valeurs familiales extraordinaires qui correspondent aux miennes. Puis il écoute les gens. Il écoute les gens et puis il regarde. Puis quand il te regarde, il se passe quelque chose. Alors, messe, une dernière demande. Ma femme a des migraines épouvantables.
Je sais que tu as pu faire quelque chose pour son dos. Et si tu peux guérir les migraines, je t'envoie une tonne de cannabidol. Ah oui! C'est bien pratique, le coup de la migraine, pour une femme accablée. Vous pouvez la soigner, la migraine de Laurence, l'épouse de Robert Charlebois? Ben, en travaillant avec elle, oui, on pourrait voir qu'est-ce qui cause la migraine. Si c'est pas vraiment un problème physique, comme des vertèbres écrasées ou des trucs comme ça, on pourrait réussir à la soulager, oui. Mais l'hypnose ne soigne pas. Hein. Elle va accompagner la personne à se sentir mieux. Et qu'est-ce que vous avez trafiqué dans le dos de Laurence pour que tout à coup, ça dégage une telle chaleur? Ben, quand on comprend que... On dégage tous une forme d'énergie. Je ne sais pas si vous avez senti quand j'ai travaillé avec vous, une forme de chaleur qui vous envahit. Moi, ça m'a envahi aussi. Alors, cette énergie-là, on peut la contrôler, l'amplifier, la diriger vers une personne. La science, maintenant, comprend un peu mieux comment ça marche. On essaie de savoir le pourquoi du comment, mais il y a encore une part d'inexplicable dans tout ça. Alors oui, quand je touche une personne qui a un problème, ben, je peux sentir cette chaleur qui arrive, le flux sanguin qui est là, la personne le ressent, elle-même va plonger, elle va le sentir. Mais oui, c'est là. C'est inexplicable, mais moi, je peux comprendre, parce que je m'étais fait une grosse brûlure à la main et j'ai demandé l'aide d'un coupeur de feu, donc quelqu'un qui, à distance, enlève la douleur. Et franchement, ça m'a soulagée. Donc moi, je peux tout à fait entendre que des choses non rationnelles fonctionnent. Moi, j'y crois. Vraiment. J'ai grandi là-dedans. Alors, ouais. Alors, par contre, ce que vous avez fait dans le dos de Laurence, ça n'a rien à voir avec l'hypnothérapie. C'est quoi l'hypnothérapie? Ça sert à soulager quoi, ça? Ben, l'hypnothérapie, bon, premièrement, je l'ai dit tout de suite, c'est pas une pilule miracle. Hein. C'est pas magique non plus. On peut pas, un claquement de doigts, vous libérer d'un cancer, par exemple. Mais on peut aider une personne à éliminer une douleur. Si elle est en traitement, par exemple, de chimiothérapie, on peut l'aider à supporter le traitement. On peut, pour la douleur, ça marche très bien. Ou les problèmes psychosomatiques. Si vous avez peur de l'avion, des araignées, tout ce qui est des phobies et tout ça, on peut tout vous aider. Vous êtes sûr de pouvoir guérir quelqu'un d'une phobie? Ben oui, parce que souvent, écoutez, on vient au monde avec deux peurs seulement, hein, la peur du vide et la peur des cris stridents. Exemple, faites-le pas, là, mais si vous prenez un bébé et que vous faites semblant de le laisser tomber, le bébé va tenter de s'agripper parce qu'il a peur de tomber. Et s'il entend un bruit fort, si vous criez très fort, il va sursauter aussi. C'est les deux seules peurs qu'on a quand on arrive au monde. Quoique, des fois, les peurs peuvent se créer dans le sein de la mère aussi. Mais par la suite, si on met un bébé au sol et qu'on fait passer un éléphant, on lui met un serpent là-dessus, il n'a pas peur. Hein? Il ne sait pas c'est quoi la peur. Mais d'accord. S'il voit sa maman avoir peur du serpent, il va l'enregistrer. Comme... Ouais, il peut prendre cette peur-là comme étant la sienne. Alors, à ce moment-là, on peut trouver qu'est-ce qui a déclenché l'élément de la peur chez la personne, faire changer l'histoire dans son esprit, de voir la chose de façon différente, et la personne va être libérée de cette phobie. Donc, alors, vous pouvez vraiment entrer dans le cerveau des gens. Je rentre pas, je dirige la personne dans son propre subconscient. Moi, ma technique à moi, quand je faisais du cabinet, c'est que la personne a ses propres réponses dans son subconscient. Et souvent, je lui demandais, mais qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de cette situation? Et dans un état d'hypnose, la personne me répondait, mais si je fais ça, je fais ça, je vais me sentir mieux. D'accord. Alors maintenant, faites-le. Les gens ont les réponses. Eh oui, c'est à l'intérieur de nous. Ils n'y ont pas accès. Exactement. D'accord. Et nous, en tant que thérapeute, on est là pour les guider, ces personnes-là. D'accord. Bon, eh bien, on n'a pas fini d'être heureux ensemble, Mesmer. Dans quelques instants, on va parler d'amour en dansant. La vérité va sortir de la bouche de votre femme. Et qui sait si vous n'allez pas de nouveau pénétrer l'intérieur de ma cervelle? OK. Ni tricherie. Nous passons la soirée avec Mesmer, l'homme au regard surnaturel. Vos yeux sont bleus comme une eau tropicale. Non, mais c'est vrai, ils sont dingues, vos yeux. Ah, ben merci. Vous pensez que vous auriez fait la même carrière avec des yeux marrons? Oui, je pense que oui. Ben, disons que ça vient avec le métier. Hein. Ben, j'ai connu des hypnotiseurs à l'époque qui avaient une voix comme ça, puis qui avaient des yeux marrons, mais ça marchait quand même. Ça va au-delà des yeux, mais je pense que ça peut aider à créer un état de fascination. Ah oui. Ça tombe quand même assez bien. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a une lumière dans votre regard qui est assez impressionnante. Dans un instant, on va parler séduction avec vous. J'espère que vous avez des petites techniques magiques à partager, mais tout de suite... Place à vos proches. On a décroché le témoignage des deux personnes qui vous connaissent sous toutes les coutures et toutes les humeurs. Il y en a même une des deux que vous avez épousée. Voici leur confidence sur l'oreiller. Eric Young démarrait sa société de production quand il a découvert Mesmer. Le coup de foudre fut immédiat et depuis, les deux hommes travaillent ensemble. Belair était sceptique à l'idée de voir Mesmer en spectacle. Elle s'est pourtant montrée si réceptive qu'elle est devenue sa complice sur scène et sa femme. La plus grande qualité de Mesmer, c'est son authenticité.
définitivement, son ardeur au travail, si j'en avais ajouté une deuxième, mais son authenticité. Ouais. Il est très, très rigoureux, très à l'heure. Il a une façon de fonctionner et pour lui, le travail, c'est très important. Son plus gros défaut? Son plus gros défaut, je dirais qu'il n'en a pas. C'est aussi une qualité. Il peut être entêté, mais à la fois, il dirige bien sa carrière. Donc, c'est une qualité et un défaut à la fois. Mesmer, il a peur de manquer de temps dans la vie. Il a une urgence de vivre incroyable. On est beaucoup en spectacle. Son travail lui prend beaucoup de temps. Donc, quand on est en congé, il a une urgence de vivre. Il veut tout faire. C'est un multitalentueux, Mesmer. Il aurait été capable de jouer. Il est capable de tout faire, en fait. C'est à la fois un bon sportif, quelqu'un qui a des attributs sportifs, qui est capable de jouer la comédie. Je pense qu'il se débrouille même en chant. Mesmer, son sujet de conversation préféré, c'est le bateau, la navigation. Il adore son bateau. C'est son passe-temps favori. La navigation, définitivement. Tout ce qui est gadget électronique, il a le dada, le béguin pour tout ce qui est électronique et informatique. Donc, c'est pas mal dans ses cordes. Ouais. Je dirais pas qu'il a un toc ou une manie énervante, mais il aime beaucoup la poutine. Ce que je te souhaite, Mesmer, et ça va faire bien rire, c'est d'ouvrir des franchises partout en Europe francophone de poutine. Tu t'imagines la poutine Mesmer qui fait endormir les gens. Alors, chérie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. On laisse tomber la tournée, on annule tous les spectacles, on part en bateau, on s'en va faire... J'ai tout préparé l'itinéraire là, pour Montréal, Floride, Floride-Bahamas. On part en bateau. C'est bien, ça! Merci à eux deux. Tout largué pour naviguer vers les Bahamas, décocher tous les rendez-vous de l'agenda, ça vous fait rêver? Ça me fait rêver, mais en même temps, je prends des vacances et après 3 jours, j'ai envie d'être sur scène. Hein? Ça fait partie de moi. Mais c'est sûr que j'ai acheté un yacht. Je vais aller naviguer de Montréal jusqu'aux Bahamas. Ça, c'est mon projet. C'est pas encore fait, ça? C'est pas encore fait. Dans quelques années. Non, en ce moment, ça fait 3 ans que j'ai le bateau. Alors, j'apprends à naviguer, j'apprends à le connaître parce que tu peux pas partir de Montréal, Bahamas, sans connaître ton bateau ou la mécanique du bateau. Il peut arriver tellement de trucs. Ouais. Alors, je prends plusieurs années pour apprendre à apprivoiser cette grosse bête qui est là. C'est quand même 17 mètres, hein. C'est beaucoup, c'est quand même gros. C'est comme un appartement flottant, hein. T'as 3 chambres là-dedans, wow. Lave-linge, sèche-linge, t'as tout, hein, c'est équipé. Mais bon, je l'ai acheté parce que à ma retraite, quand je vais arrêter, je vais aller là-bas vivre sur le bateau pendant quelques années, ouais, au Bahamas. Écoutez, je viens avec. OK. Voilà. Je viens avec. Alors, surtout, je viendrai goûter votre... La poutine? Votre poutine. Oui. Okay. Il faut rappeler ce que c'est. C'est des frites avec quoi dessus? Bien, écoutez, les frites au Québec, on a tendance à faire les mêmes frites qu'en Belgique. Vous vantez très fort. Attention, on peut faire une battle de frites quand vous voulez. Hein. Non, mais je veux dire qu'on les fait un peu à votre façon. D'accord. Les frites sont aussi bonnes que les vôtres parce qu'ici, les frites, honnêtement, ils sont magnifiques. Et au Québec, on a la même façon de les faire. Après, on a une petite sauce là-dessus, que ce soit un peu une sauce barbecue, une sauce brune... et on met le petit fromage en grain. Nous, on appelle ça de fromage en grain qu'on met par-dessus. Et écoute, c'est magnifique, c'est sucré. Nous, on dit du fromage râpé. Ouais. Et donc, ça veut dire que le fromage fond sur les frites chaudes. Pas nous. Le fromage en grain reste rond et il est frais. Alors, quand il est frais, le fromage en grain, il a comme un petit lait qui sort quand tu croques. Donc, vous avez dedans, du jus. Oui, le petit jus de lait. Là, et ça fait squeak, squeak quand on le mange. Ça fait squeak, squeak, squeak. Mais c'est magnifique, c'est bon. Il faut l'essayer. Hein. Et ici, quand je suis en Belgique ou en tournée en France ou en Suisse, j'essaie de trouver des restaurants qui font la poutine québécoise. Et à chaque fois qu'on y va, ben, oui, je la teste. Moi, je la teste. Et ils sont et ça bons. Oui, mais il manque le petit fromage qui. Non, le fromage en grain qui fait son petit jus sur vos frites. Très, très bien. Oui, il faut l'essayer. Oui, tout à fait. Ou alors pas, parce que je ne suis pas encore. J'ai bien essayé, moi, ici, en Belgique, j'ai essayé une mitraille. Hein? Ah, la mitraillette! La mitraillette. Ouais. Ah, c'est délicieux. J'ai essayé ça. On a la mitraillette, on a les boulets. OK. Voilà, donc on est très, boulets, très... J'ai jamais essayé. Ouais. Voilà, plein d'armes à manger. Hein, c'est costaud. Oui, c'est costaud. Voilà, on a des bonnes fourchettes aussi. Mais bref, poutine au programme bientôt. Alors, il paraît, cher Mesmer, que vous êtes passionné de danse. Vous dansez comme je respire.
À l'époque, peut-être, mais plus maintenant. Quand j'avais 19 ans, 20 ans, peut-être, oui, j'étais sur les pistes de danse, je dansais sur le techno, des trucs comme ça, mais, ouais, mais là, ça fait longtemps. Allez, on va dire que les prochains instants vont vous faire fondre de félicité. J'en appelle à notre minute 69. Ah oui. Alors, minute 69, ça veut dire que nous interrompons nos programmes pour 69 secondes, un slow diabolique. Un slow. Voilà. Okay. En sachant que moi, je danse comme une porte de cuisine, hein, c'est la base. Ah, je danse avec toi. Ah oui, on va danser à deux, on va danser langoureusement. Mais pendant que je danse, je dois vous refourguer mes questions consacrées au thème de la séduction. OK. Voilà. Okay. Alors, je dois répondre pendant qu'on danse. Voilà. Ah, bon, OK. Si vous êtes prêts, je vais donner un top. Il n'y en aura que 69 secondes, donc on a intérêt à en profiter. Vous êtes prêts? C'est bon. Allez, c'est parti. Mesmer, quelle est la partie de votre corps la plus magnétique? Magnétique, peut-être les yeux. Ah, ouais. Quand même, hein? Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous scrutez en deuxième lieu chez une femme? En deuxième lieu, ses mains, je crois. Ouais. Et donc le premier, c'était le pet, c'est ça? Tu ne m'as pas demandé le premier. D'accord, hein. Joker. La dernière personne qui vous est fascinée? La dernière personne qui m'est fascinée? Oui. OK, je vais rester dans peut-être ma fille. Ma fille, elle me fascine à tous les jours. J'accepte. Ma fille, oui. Alors, quand votre femme vous agace, vous l'hypnotisez pour la calmer un peu? Toujours. Oh, la vie merveilleuse. Je l'ai déjà hypnotisée quand je l'ai rencontrée. Je ne l'ai jamais réveillée depuis ce temps-là. Ben voilà, il me semble bien. Vos énormes pouvoirs de persuasion, ça compense quel petit problème naturel? Peut-être la timidité que j'avais à l'époque quand j'étais tout petit, quand j'étais plus jeune, mais je m'en suis libéré maintenant. Oui. D'accord. Alors, une question de David Martinez. Vous avez déjà essayé d'hypnotiser votre sexe? Pas moi. Pas c'est qui David Martinez? C'est notre éditeur, l'éditeur de cette émission que je dénonce devant tout le monde. Ah bon, OK. Mais non, j'ai jamais essayé. J'ai pas eu besoin, non. Oh, comment ça? Dans un monde idéal, pour séduire, vous auriez plus de... Ah, le gong retentit. Non, mais vous allez quand même répondre. C'est la dernière question, vous devez y répondre. Plus de quoi? Pour séduire? Oui. Peut-être pas plus, mais moins de poutine, peut-être. D'accord. OK. Je comprends. Mais on nous a dit que vous aviez de très beaux attributs sportifs. C'était ce que disait votre ami Eric Young. Donc, quand même, hein, à vous de jouer. J'ai quand même un surplus de poids à me libérer. Un surplus quand même. De poutine. Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. Bah. Alors, vous avez pris à bras-le-corps des publics très, très, très vastes. Et si j'ai bien compris, votre record, c'est 854 personnes que vous avez réussi à hypnotiser en même temps. En moins de 4 minutes, oui. 854 personnes lors d'un soir au centre Vidéotron à Québec, dans la ville de Québec, où il y avait 5 000 personnes qui assistaient au spectacle. Et lors du numéro final, comme je le fais à tous les soirs, bien, ce soir-là, on avait mis des gens, des hypnothérapeutes dans la salle. On avait mis des bénévoles aussi qui étaient là pour comptabiliser tous les gens qui étaient dans un état d'hypnose. Et qui vous ont aidé aussi à obtenir des gens qui Non, pas du tout. C'est que moi, je les ai dirigés dans l'état hypnotique et en moins de 4 minutes, 854 personnes faisaient un numéro d'hypnose en même temps, une hypnose collective. Et les hypnothérapeutes qui étaient là comptabilisaient tout ça et s'assuraient aussi que tout se passe bien par la suite quand je les réveille de façon rapide là, pour que tout le monde se sente bien. Alors, on avait 40 hypnothérapeutes qui étaient là qui venaient nous aider à vérifier pas tout mal. Ça. Ouais, quand une même, armada, quoi. Absolument. 854 personnes en moins de 4 minutes. J'étais déçu. Allez, oubliez quoi? Je voulais avoir 1000 personnes. Alors, il reste encore de la marge. J'aurais aimé hypnotiser le chiffre miracle, même magique pour moi, de 1000 personnes. Alors, il reste de la marge. On pourra peut-être le faire ici à Bruxelles, on ne sait pas. Qui sait? Mais en moyenne, le nombre de personnes, le pourcentage de personnes réceptives dans un public, c'est quoi? C'est environ 20 % mais plus le show avance dans le temps, en première partie. 20 % de personnes qui sont immédiatement réceptives. Ouais, c'est ça. Ça marche tout de suite. Ben, c'est 20 % des gens environ avec qui ça marche tout de suite. Mais plus le show avance, plus les barrières tombent et à la toute fin, ben, on se retrouve avec un taux de réussite encore plus fort. Hein. D'accord. Ça monte à ce moment-là. Mais en général, c'est 20 % des gens qui sont réceptifs rapidement. Bon. Sinon, ça prend un peu plus de temps. Ouais. Espérons que ce soit 1000 Belges qui tombent sous vos charmes. Je connais quand même des hommes politiques qui doivent crever de jalousie. Hein. 4 minutes. Dites, on a un tout petit peu de temps devant nous. Alors, okay. Si j'osais, j'oserais vous demander de retenter un tout petit coup d'hypnose dans ma face. Oui, absolument. Ouais. Encore, voilà, pour faire ça. On a toujours le jingle. Je vais demander à la Réal de nous l'envoyer. 1, 2, 3, on se déplace, on va aller ici. Alors, vous avez calculé l'espace. Alors, dites-moi, parce que donc je... Alors, Joël, on a placé... Je débarque. Hein. On a placé deux chaises ici. Ce que je vais tenter de faire avec vous aujourd'hui, c'est une catalepsie, c'est-à-dire décupler votre force pour
justement... Attendez, vous avez parlé de Ghislain, il a eu le bras coincé pendant deux jours. Ça se pourrait que vous soyez coincé pendant quelques jours. Super. Non, ça va aller. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer un état de catalepsie chez vous pour décupler votre force, diriger l'adrénaline dans des points stratégiques du corps pour vous aider à supporter ce que je vais vous demander aujourd'hui. Faites-vous-en pas, c'est sans danger et vous allez être dans un état de protection, hein, de toute façon. Alors, vous êtes prêts à y aller? Oui. Alors, Joël, placez-vous ici, maintenant, face à moi. Vous allez coller les deux pieds ensemble. Vous allez placer les mains de chaque côté du corps. La tête droite, le dos droit. Vous fermez les yeux. Fermez les poings. Fermez les poings très fort. Et placez les bras raides. Raides et de plus en plus raides. Les bras deviennent raides. Les jambes deviennent raides. Encore de mieux en mieux, de plus en plus. Les genoux se coincent ici. Les jambes deviennent raides et de plus en plus raides. La colonne vertébrale se contracte et devient raide. Encore de plus en plus raide, tellement raide que rien ne pourra plier votre corps. Votre tête, votre cou se coince. Je vais pousser votre tête avec ma main et vous m'empêcher de la pencher vers l'avant. Allez-y, poussez. Et votre corps se contracte toujours de plus en plus, de mieux en mieux, et de plus en plus raide, et toujours de plus en plus raide. Je vais tenter de vous plier, mais vous m'empêchez de le faire. Encore raide, et de plus en plus raide. Impossible pour vous de plier votre corps. Votre corps devient raide comme une planche, raide comme une barre de fer, avec le 1, toujours de plus en plus raide. Contractez tous les muscles de votre corps. Avec le 2, toujours de plus en plus raide, votre corps ne bouge plus. Et avec le 3, vous êtes coincé. Dans cette position, impossible pour vous de plier votre corps, impossible pour vous de bouger. Votre corps se contracte et devient de plus en plus raide. J'aurais besoin d'un volontaire, un homme assez costaud pour m'aider à soulever Joël ici. Peut-être vous, monsieur? Venez avec moi. Alors, Joël, encore de plus en plus raide. Monsieur, vous allez vous déplacer de ce côté. Je vais prendre les épaules de Joël. Vous, vous prenez ses pieds, vous le déplacez sur la chaise qui est là, d'accord? Alors, penchez-vous, prenez ses pieds et je la soulève. Joël, encore de plus en plus raide et de plus en plus raide. Encore raide comme une planche, raide comme une barre de fer. Encore de plus en plus raide, Joël. Soulevez le corps ici. Encore de plus en plus raide. Encore de plus en plus raide. Votre corps est raide comme une planche, raide comme une barre de fer. Et maintenant, j'aurais besoin d'une volontaire. Peut-être vous ici. Venez avec moi. Venez. Venez ici. Encore de plus en plus raide, Joël. Contractez tous les muscles de votre corps. Encore de plus en plus raide. Vous allez vous tourner. Vous allez vous asseoir sur elle doucement. Attention. Venez. Asseyez-vous. Levez les pieds. Encore de plus en plus haut. Levez les pieds. Et on peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Merci. Et là, on va la soulever, monsieur. On va prendre ses pieds, les déposer au sol. Encore de plus en plus raide, Joël. Concentrez-vous sur ma voix. Déposez ses pieds. Raide et de plus en plus raide. Et maintenant, mon signal, Joël, tout va redevenir normal. Et avec le 1, détendez-vous, relaxez-vous. Avec le 2, vous vous sentez merveilleusement bien. Et avec le 3, on peut ouvrir les yeux. Et on se souvient de tout, dans les moindres détails. On peut se retourner et on peut applaudir Joël, mesdames, messieurs. Madame. Ça va? Vous étiez couché la tête là, les pieds ici. Vous étiez entre les deux, raide comme une planche, raide comme une barre de fer. Et on a assis quelqu'un sur vous. Qui s'est assis sur moi? C'est la dame qui est ici, là. Levez la main. D'accord. Est-ce que vous avez senti un poids sur vous? Oui, oui, j'ai senti. Est-ce que c'est difficile pour vous de résister à ce point? Non. Pas du tout, hein? Non. Particulier, hein? On a décuplé la force que vous avez dans votre corps. On a dirigé l'adrénaline dans des points stratégiques du corps pour vous aider à supporter le poids en faisant ce numéro de la catalepsie que je fais depuis maintenant plusieurs années. Je suis superwoman, quoi. Oui, oui, absolument. C'est trop bien. Bravo, Joël. C'est génial. Est-ce que je demande à la réelle, on va se rasseoir. Oui. Je demande à la réelle si on peut revoir les images, pardon, hein, parce que moi, je n'ai pas vu. Donc, si vous permettez, on regarde vite quelques instants ce à quoi ça ressemblait. Attention, c'est parti. Et avec le 3, replay. Vous êtes coincé dans cette position. Impossible pour vous de plier votre corps, impossible pour vous de bouger. Votre corps se contracte et devient de plus en plus raide. Vous, vous prenez ses pieds, vous les placez sur la chaise qui est là, d'accord? Alors, penchez-vous, prenez ses pieds et je la soulève. Joël, encore de plus en plus raide et de plus en plus raide. Encore raide comme une planche, raide comme une barre de fer. Encore de plus en plus raide, Joël. Soulevez le corps ici. Encore de plus en plus raide. De plus en plus raide. Vous allez vous tourner. Vous allez vous asseoir sur elle doucement. Attention, venez. Asseyez-vous. Levez les pieds. Encore de plus en plus haut. Levez les pieds. Et on peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Merci. C'est dément. Merci de m'avoir fait vivre un truc pareil. Merci alors, beaucoup. On va avoir les abdos de feu. Non, mais c'est démentiel. Est-ce que tout le monde peut réussir ce truc-là? Ben oui, lorsqu'on est un bon sujet à l'hypnose, on peut réussir à plonger dans cet état-là et aller chercher les outils qu'on a besoin pour résister au poids, créer l'effet d'adrénaline hein, qui va nous aider à supporter le poids qu'on met par-dessus par la suite. Ouais.
Je me sens moins tanguée qu'après la première hypnose de tout à l'heure. Oui, parce qu'on a fait quelque chose de plus rapide. On a quand même travaillé... je t'ai amené dans un état plus profond au niveau du rêve, de l'imaginaire, mais en même temps, on n'a pas travaillé longtemps. Je t'ai ramené rapidement à la conscience. Ouais. Et quand je t'ai ramené, tu étais déjà debout, alors l'énergie était déjà plus présente. Et c'est un conditionnement aussi, l'éveil. Hein. On l'a fait un peu plus tôt, je t'ai donné un boost d'énergie. Alors, à chaque fois que je vais t'éveiller maintenant, ce boost-là va peut-être arriver plus rapidement. Donc, ça veut dire que si on se revoit... Mm-hmm. Chaque fois que vous allez tenter de me réhypnotiser, pardon, ce sera de plus en plus rapide. Exactement, plus rapide. Et l'éveil aussi va se créer et ça va être de plus en plus rapide aussi. D'accord. Un conditionnement. Hein. Tout le monde peut le vivre. Comme je le répète, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le vivre. Et c'est une question de temps, de technique et autant que l'éveil que le sommeil. Donc, Belair, votre femme, là, c'est vraiment... C'est comme instantané. Comme miraculeux, quoi. Tant qu'on y est, vous pourriez hypnotiser les téléspectateurs pour les empêcher de changer de chaîne. Ah oui, OK. Allez-y, vous avez Alors, attention, concentrez-vous sur ma voix. À trois, vous restez là. Un, deux, trois. Et voilà, vous restez là, hein. Bougez pas. Si ça pouvait marcher. Dans un instant, on va parler de votre famille et de l'incroyable transmission de votre don à vos enfants, sans oublier les questions de notre public déguisé en boule. Les questions. À tout de suite. Déguisé en quoi? Mesmer est l'invité de 69 minutes sans chichi. Il faudra des jours et des jours pour me désenvoûter. Ah, merci. Non, mais qu'est-ce que j'ai vécu avec vous jusqu'à présent? C'est sidérant. Ouais. Peu importe si vous restez sceptique. Voilà, moi, j'ai... En tout cas, avec moi, ça a marché. Ah, ça marche. Tout de suite. Et il faut venir voir le show, venez avec des amis. Il y en a sûrement un de votre groupe qui va vivre l'expérience. Ouais. Et même à la toute fin du spectacle, comme je dis, j'ai un numéro où je fais appel à tous les gens qui ont envie de l'essayer dans la salle. Et là, vous restez assis à votre place. Si vous êtes timide ou si vous ne voulez pas monter sur scène, vous avez la chance de l'essayer. Mm. Assis à votre place et c'est là qu'on peut faire le record du monde. Avec des Belges, évidemment. On le fera avec des Belges. Mille Belges. Oui. Alors, on change de décor. Oui. Un petit bout de Canada qui nous a rejoint ici. Mais avant de parler de votre enfance, je voudrais que vous m'instruisiez en matière de tequila. Oui, alors je vois ça. Parce que je sais que c'est quelque chose d'important pour vous. Ah, c'est la vraie tequila. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, la tequila. Bon, écoutez, j'ai commencé tout jeune à prendre la tequila parce que mon père aimait la tequila. Hein, et je dis aux enfants, ne faites pas ça. OK, faites pas comme moi. Mais mon père avait un bar. On faisait souvent les fêtes de Noël chez nous. Il y avait toujours la bouteille de tequila et on prenait une tequila pendant les fêtes. Donc, c'est la boisson traditionnelle de votre famille. Oui, c'est ça. Un tequila, ben, alors citron, sel. Comment il faut faire? On le fait? Bien sûr qu'on le fait. On a le droit de boire à la télé? Évidemment, mais on est en Belgique. Alors, au compte de trois, nous avons le droit de boire à la télé. Alors, on prend le citron. Ouais. Un citron. D'accord. On frotte le citron sur la paume ici. Bien, pas la paume, mais sur notre main. Oui. On tient le citron. Ensuite, on met le sel, comme ça. Je peux saupoudrer comme ça. D'accord. Alors, c'est une fois par an maximum, hein, modération là-dedans. Hein. On commence. On lèche le sel, on prend le shoot et le citron dans la bouche. Donc, okay. On lèche le sel et puis on met le citron. OK. On y va? C'est parti. Il ne faut pas grimacer. Si on grimace, il faut recommencer. Hein. Si on fait une grimace, on fait... Et on lèche le sel avec toute la langue, on oui, suce, je ne sais pas comment il faut faire. Tout, hein, on y va. D'accord. Je ne sais pas comment il faut faire. On fait un gros plan ici. Hein. Mais non, pas du tout. Non. Allez, on y va, on essaye. OK, go. C'est parti. Comme ça. Il ne faut pas grimacer. J'ai presque pas grimacé. Waouh! Et voilà, ça marche! Très sympathique. Très sympathique. C'est... Hein. Ouais, c'est bon, hein? Oui, c'est pas désagréable. Et donc, c'était de la vraie, hein, juste au cas où vous en doutiez. C'est de la vraie et agréable. Mais donc, vous avez commencé à quel âge avec votre papa, la tequila? Vous avez commencé à quel âge avec votre papa? Ouais, j'ai commencé avant qu'il sache. Ah ouais! Ah, j'avais 9-10 ans quand j'ai chopé la bouteille avec un de mes amis, pas Ghislain, un autre, avec qui on prenait des fois un petit shoot de temps en temps. Ah oui, donc en fait, vos premières tentatives d'hypnose, c'était sous influence, quoi. Oui. J'ai commencé jeune, hein, j'ai commencé jeune à faire mes expériences parce que mes frères ont 10 ans plus vieux que moi. Hein. Mes frères, moi, je suis le petit dernier de la famille. Mais justement, on va un petit peu resituer le cadre familial. Vous avez grandi à Saint-Césaire, qui est un petit village de 5000 âmes à 60 km de Montréal, si mes informations sont bonnes. Hein, à peine 5000, Alors, c'est entre la rivière Yamaska et le mont Rougemont, c'est quelque chose comme ça, plus ou moins? Exactement, voilà, exactement. Ouais. Il y a la rivière Yamaska qui passe, le mont Rougemont et le mont Yamaska qui est là aussi. C'est ça. Ouais. Tous ces noms sont déjà très exotiques, ça nous fait beaucoup voyager. Alors, il y a votre papa Jean-Luc, dont on parlait, M. Tequila, hein, et puis votre maman Nicole. Ils sont en poste à l'usine, tous les deux, au début, ou je ne sais plus? Ben, ma mère restait à la maison longtemps pour s'occuper de mes frères, mais quand moi je suis arrivé, Vous étiez quoi? Vous étiez la surprise du chef ou quoi, 10 ans après? Oui, c'est ça. C'est une grande fratrie, hein? Voulu, moi. Allez, à vous, je t'ai pas voulu. Hein.
suis arrivé 7 ans après ma sœur. Oui, donc vous étiez nombreux. Il y avait François, Mario, Marc, Sylvie. Et puis le petit Éric, le petit dernier, qui était le chouchou. Bah, j'étais pas le chouchou, c'est le petit dernier quand même. Mais c'est sûr que, bon, étant le petit dernier, 7 ans après tous les autres, c'est sûr que ma mère s'occupait de moi un peu plus. Mais elle a retourné sur le métier, au travail, à l'usine avec mon papa. Alors moi, j'ai été chez la nounou pendant mes premières années avant d'aller à l'école. Mes parents étaient journaliers qui travaillaient dans une usine. Ouais. C'est une enfance modeste, mais aimante. Modeste, une famille unie. Jamais on s'est pris la tête. Non, c'est une famille très... Bon, on est liés ensemble. On se voit pas souvent. On se parle peut-être au téléphone une fois ou deux par mois, c'est tout. Mais quand on se voit, on est encore aussi unis. Là. Même si on est loin, on est une famille malgré votre célébrité. Ça n'a pas distordu. Non, ça n'a rien changé. Non, en tout cas, pas pour moi, mais pour eux non plus, je ne crois pas. Mais quand on se parle, c'est comme si on s'était vu hier. Hein. Alors, c'est comme ça. Hein. Là, je vois des photos de moi qui défilent. Oui, tout à fait. Vous êtes magnifique, hein? Oui. Beau gosse, va. Merci. Alors, il y a un personnage majeur dans la constellation familiale, c'est votre grand-père, Lucien. On en a déjà parlé, grand-père du côté de votre papa. Il était jockey. Oui. Il conduisait des sulky, donc des petites voitures de course, hein, c'est ça? Et alors, il avait une idée un peu folle pour faire gagner ses chevaux de course. Oui, il a tenté d'hypnotiser ses chevaux, lui, pour gagner les courses. Je pense que ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'a jamais été riche. Ah, malheur! Mais il était fermier, mon grand-père. Il élevait les chevaux, les vaches, les poulets, les cochons. Et donc, il a fait quoi? Il s'est procuré un livre, celui que dans lequel vous avez étudié. Écoutez, il l'a eu en 1930, ce livre, parce qu'il a été comme on pourrait dire poussé vers ça, parce qu'il y avait un monsieur Lalancette, qui demeurait dans un village tout près, qui avait, ce qu'on dit, avait le pouvoir d'influencer les gens à distance. Et mon grand-père, un jour, réparait un fil dans un poteau électrique et s'est senti tiré vers l'arrière. Il a dû s'agripper au poteau et quand il a tourné la tête, il a vu M. Lalancette qui passait. Alors, mon grand-père a fait ni une ni deux. Il s'est dit, attends, Lalancette a voulu me faire tomber avec son pouvoir et tout ça. Alors, attends, je vais me protéger. Il s'est procuré le livre sur l'hypnose dans les années 30, imaginez. Et il a essayé d'apprendre l'hypnose pour se protéger de M. Lalancette. Incroyable, c'est trop marrant. Grâce à M. Lalancette, maintenant, je fais ce métier. non, mais mon grand-père a acheté ce livre-là. Bon, il en a fait un peu. Mais il a obtenu des résultats, lui, sur... pas sur les chevaux, mais... Donc, non, pas vraiment. Il a acheté, mais finalement, il croyait plus ou moins à tout ça. Il m'a donné le livre et moi, j'ai tombé là-dedans quand j'avais 7 ans. Alors, vous entretenez un petit peu de mystère autour de ce fameux grimoire qui est maintenant sous clé, là, quelque part. Dans un coffre-fort à la maison. Comme une réplique sacrée. Ouais. On peut avoir le titre on peut l'acheter sur Amazon. Non, je ne dis pas le titre de ce livre. Je le garde pour moi. Mes fils ont une copie un peu plus récente qui a été éditée dernièrement. Mon petit-fils aussi, à qui j'ai trouvé une édition plus récente aussi. Alors, ils ont chacun leur livre, mais celui-là n'est pas consultable. Alors, il est là dans le coffre-fort. Ah oui, mais il est trop vieux. Hein. Il a été écrit en 1895 ou 1900, quelque chose comme ça. Là. 1895, comme vous dites ici. Oh, bravo. Merci pour l'effort. Merci beaucoup. Ah oui, c'est ça. Très gentil. Vraiment, on est touchés. Ah, ouais. 1900, vous dites 1900 ou 1000... On est à 1000... Non, 1900, c'est 1900. Mais 1900, bon, c'est ça. Alors, j'ai tenté une blague, ça n'a pas marché. Voilà, pas trouvé. On peut recommencer. Non, ça va. Alors, ce livre-là a changé ma vie quand même. Et c'est grâce à mon grand-père qui me l'a légué comme ça. Ben, une histoire fabuleuse. Hein. Ouais. Alors, à vos débuts, vous multipliez les formations et les boulots. Vous êtes un peu DJ, puis ensuite beaucoup graphiste. Oui. Vous ne cessez pas de vous perfectionner en hypnose, aussi en sophrologie. Puis vous commencez à vous produire jusqu'au premier grand succès, au pseudonyme Mesmer que vous choisissez. Mais alors, en même temps que tout ce progressif tourbillon professionnel, vous fondez une famille très, très jeune. Vous avez rencontré votre première femme à 17 ans. Vous êtes devenu papa à quel âge? 19. 19 ou 20 ans. Ben, ma femme est enceinte à 19. À 20 ans, j'avais mon fils Cédric. Et Cédric. À 22 ans, j'avais l'autre Antoine. Donc, sportif quand même, la vie de famille. Ben, ça. Ma mère, son premier enfant, François, le plus vieux de la famille, elle l'a eu, elle avait 16 ans. Ah oui, donc c'est une tradition familiale. Et moi, mon fils Cédric a eu son fils à 16 ans. Alors, j'étais grand-père à... Autour de 34, 35 ans. Hein. Wow! Alors, c'est mon petit-fils, un enfant, à l'âge de 16 ans. Il est déjà 11, à rajouter 6 à mon âge, je vais avoir 54 ans. Et je serai arrière-grand-père. Franchement, là, vous serez... Je ne suis pas encore. Impressionnant!
Mais c'est bien, hein, vitalité, santé, tout ça, vous avez tout à fait raison. Alors, votre premier mariage... C'est mon esprit sportif. Hein. Mais tout à fait, vous le disiez, bah, il a eu pour effet deux garçons, Cédric et Antoine. Ils sont adultes et tiens, tiens, ils sont entrés dans le monde du spectacle en tant que hypnotiseurs. Ils s'appellent les Somnifrères. On les a déjà vus à la télévision chez Arthur. Ça commence à marcher très bien. Et on est allé demander à ces deux agréables gaillards de nous dire quelques mots sur la vie qu'ils ont connue en tant que fils d'une star de l'hypnose. Regardez. Ah, vous les avez rencontrés. Je dirais que ma chambre était toujours propre et que le gazon était toujours bien coupé. Non, en fait, Mesmer avait un cabinet d'hypnose dans le passé. Et puis, il faisait ça aussi avec nous. Il guérissait nos petits bobos ou quelque chose comme ça. Exemple, moi, j'avais des otites quand j'étais jeune. Et donc, par le fait même, il les guérissait ou il aidait à apaiser la douleur, en fait. Mais il ne nous a pas fait faire la vaisselle ou tondre le gazon. Ça, c'est pas fait. Non, jamais. À l'école, quand on nous demandait ce que notre père faisait dans la vie, eh bien, dans son jeune âge, il était lettreur. Donc, moi, c'est ce que je disais, graphiste, lettreur, c'est ce qu'il faisait. Et j'essayais de garder le côté spectacle assez secret. Mystérieux. Mystérieux. Oui, mystérieux. On essayait de garder ça pour nous, puis on n'en parlait pas beaucoup, mais de toute façon, tout le monde le savait à l'école, et puis on vivait avec. Moi, j'ai commencé, j'avais plus d'emploi. J'étais sans emploi et mon père m'a proposé d'aller travailler avec lui en France, voir de quoi ça avait l'air et tout. Puis j'ai commencé à être technicien pour lui, agent de sécurité. Et puis, par la suite, j'ai monté sur scène parce que Belair, son assistante, était absente. Et donc, j'en ai pris goût. Puis par la suite, on est devenus les Somnifrères parce que lui aussi, il est venu avec nous en France. Mais moi, j'avais complètement un autre chemin. Je m'enlignais pour mon concessionnaire automobile ici au Québec, dont j'ai encore. Par contre, la piqûre m'a piqué. Quand lui, il a dit « moi, j'y vais », j'ai dit « je fonce avec toi et on y va à deux ». T'étais jaloux. Jaloux. Il vient nous voir à nos spectacles et il nous regarde et on voit l'admiration dans ses yeux. Il prend sa caméra, sa vieille caméra que son père prenait il y a plusieurs années pour filmer les spectacles. Il la prend, il nous filme et il regarde ça chez lui. Et je pense qu'il est fier de nous. Ouais, je pense que oui. C'est lui qui nous a tout montré, c'est lui qui nous a inculqué toutes les valeurs qu'on a aujourd'hui. Si on est une bonne personne aujourd'hui, c'est grâce à lui. Donc, on le remercie du fond du cœur pour tout ce qu'il nous a apporté et pour tout ce qu'il va nous apporter encore dans le futur parce qu'il n'a pas fini de nous apprendre. Les conseils, l'acharnement au travail, tout ça. De se débrouiller dans la vie, ça vient tous de lui. On est fiers de toi, papa. On est moi aussi, je suis très fier d'eux. Et moi, j'ai assisté à la création du groupe Les Somnifrères parce qu'ils étaient en tournée avec moi. Ils remplaçaient Belair, qui est enceinte de Soleil, ma fille, qui était mon assistante. Mais là, elle a pris congé pour la maternité. Et les deux sont derrière, sur le banc, derrière la voiture. Ils commencent à parler. Hey, on fait un show ensemble. On va se monter un show ensemble. Puis là, moi, je conduis. Hein, j'adore conduire. Alors, c'est moi qui conduis. Là, je les laisse parler. Et là, ils ont pondu un show d'hypnose pendant qu'on faisait la route. On avait 4 heures de route à faire. Ils ont fait un show d'hypnose complet. Et là, je les écoutais. Je dis, hey, ils ont des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées. Ils ont des bonnes idées. Et là, ils ont créé leur show comme ça. Je les ai aiguillés par la suite un peu dans la mise en scène de dire, bon, ben, ce numéro-là serait mieux si on le faisait là, si, ça, ça. Et bien, écoutez, maintenant, ils se débrouillent très bien. Je suis encore là quand même pour les diriger un peu dans la façon de bouger sur scène dans les grands spectacles. Mais quand même, ils ont tout appris en me regardant, en me suivant. Ouais, je suis très, très fier de mes enfants. C'est magnifique. Franchement, l'ensemble de vos réussites est très touchante. Ben oui. Je vous sens quand même ému. Hein. Oui, et ma fille Soleil, qu'on n'a pas vue, là, qui a 2 ans, qui, elle, déjà, vient sur scène avec nous de temps en temps. Elle vient faire le petit salut final à la petite fin. Elle a 2 ans, puis ouais, on lui a fait un petit costume aussi, parce qu'elle adore la scène. Et elle anticipe le moment. Elle est là, en coulisses. Là. Merveilleux! Et elle attend, puis là, quand c'est quand elle le sait que c'est la fin du spectacle, elle est en coulisses, la nounou la tient, comme ça. Et là, ben, go, vas-y! Elle vient nous rejoindre sur scène, et elle fait un petit coucou au public. Là. Vous avez frappé fort avec Soleil comme prénom pour votre fille. Hein, ah, c'est... ben oui, c'est ma femme.
femme qui avait cette idée. C'est assez majestueux. Oui, mais pour l'enfant suivant, ça va être difficile de trouver encore plus majestueux. Ce sera quoi? Ce sera Voie lactée? Aucune idée. Ben oui, mais écoute, on est dans le projet de peut-être en avoir un deuxième. Ouais, cool. Ouais, c'est ça. Alors, mais oui, le prénom, ma femme en a déjà trouvé un pour le deuxième. Je le dis pas parce que c'est pas encore décidé dans ma tête. D'accord, OK. La même chose que Soleil. En Soleil, au début, je doutais, mais je disais, Soleil, peut-être pas. Mais au final, ça lui va tellement bien. Ouais, écoute, je la vois pas s'appeler différemment maintenant. Magnifique. Allez, le chapitre suivant de cette émission est consacré à vos boules, je veux dire celles du public. Je veux dire celles qui renferment les questions de nos internautes. C'est l'heure de la boîte à boules. Boîte à boules. La voici, cette fameuse boîte à boules. Alors, le principe est simple. Ce sont donc les questions de nos internautes sur la page de Facebook de 69 minutes en Géchi qui se sont exprimées. Vous devez glisser la main là, entre ces deux draps onctueux et choisir une boule. Alors, il y a une boule dorée, elle contient la question gênante. OK. Alors, les autres boules sont quelle couleur? Elles sont, bon, vous allez voir, elles sont transparentes. Les draps sont de la moitié, c'est ça? Tu veux s'ouvrir? Vous l'ouvrez, Joulou? Oui. Hop, c'est parti. Hop là. Alors... Une question de Frédéric. Vous avez déjà hypnotisé pour pécho. Genre, hop, hein? Je comprends pas trop la question. Vous avez déjà hypnotisé pour pécho? Pour séduire. Ah, pour, OK. Pour faire tomber une nénette dans vos bras. Jamais. Oh! La réponse est parfaite. Jamais. OK, on y va. On a très bien compris la teneur de vos mœurs. Et voilà. Allez, hop, question suivante. Anne-Sophie, les personnes hypnotisées doivent-elles tout de même signer un papier d'acceptation pour être hypnotisées en cas de pépin? Non, absolument pas. C'est sur une base volontaire, comme je l'ai dit. Alors, ils viennent vivre l'expérience sur scène en toute connaissance de cause. Alors, moi, non, je ne fais pas signer de décharge quelconque parce que, premièrement, il n'y a aucun danger à vivre l'expérience sur scène. D'accord, il n'y a pas de pépin. Non, il n'y a pas de pépin. Allons-y pour la boule suivante. Et voilà. Je n'ai pas la dorée encore. Non, toujours pas la dorée, mais non. C'est parce que vous l'évitez grâce à votre don de magnétiseur. Oui, c'est ça. Alors, Charlotte, avez-vous hypnotisé votre femme lors de son accouchement? Eh bien... Oui, elles ont leur propre... Les boules continuent à bouger, là. Eh bien, oui, je l'ai hypnotisée, mais elle connaît déjà les techniques d'auto-hypnose, Bel Air. Alors, elle savait comment faire pour entrer dans un état second. Moi, j'étais là pour l'appuyer. Et les douleurs sont vraiment atténuées grâce à la suggestion hypnotique. Et si vous êtes enceinte et si vous écoutez l'émission, renseignez-vous. Il y a sûrement un bon hypnothérapeute qui peut vous guider dans l'accouchement sans douleur avec hypnose. Et ça marche. Wow! Parce que sinon, il y a aussi la péridurale, ça marche super. Aussi, mais c'est moins naturel. Hein? C'est un peu moins naturel, mais bon, j'ai adoré. Passion péridurale. Péridurale, wow. OK. Allez, c'est la dernière. Allez. Ah, vous la voyez, vous? C'est celle-là? Ah, oui! Ouais, la boule dorée! Il n'y a aucun papier dedans. bon. Allez-y. Ah, j'ai peur. Hein. Mais non, on est tous tout doux. C'est la Belgique, on est bienveillants. Une question de David. Vous n'êtes plus doué de. Mais c'est bien. Que répondez-vous aux personnes qui pensent que c'est de la manipulation, un mensonge, la supercherie? Ben, écoutez, j'ai grandi là-dedans depuis que je fais ce métier. J'ai toujours rencontré des gens qui n'y croyaient pas, qui disaient que c'était de la foutaise, qui disaient que les gens jouaient la comédie, tout ça. Je suis blindé contre ça maintenant. Mon but, au départ, je voulais convaincre tout le monde. Je voulais convaincre tout le monde que ça fonctionnait, que ça marchait. Mais maintenant, c'est impossible pour moi de convaincre la planète au complet. Alors, il faut l'essayer. Venez vivre l'expérience et vous allez voir que c'est pas du chiquet, c'est pas du arrangé non plus. Et venez en groupe, je le dis toujours, venez avec vos amis, il y en a sûrement un de votre groupe qui va pouvoir vivre l'expérience et là, vous allez voir que c'est vrai, que c'est réel. Imaginez aussi, je dis ça aussi aux gens, ça fait tellement longtemps que je fais ce métier, j'ai fait environ 4000 spectacles dans ma vie, plusieurs émissions de télé. Si j'avais arrangé tout ça, là, quelqu'un aurait parlé à quelque part, quelqu'un aurait dit à Mesmer, c'est de la foutaise, allez, il me ferait du chantage, un comédien me dirait, écoute, Mesmer, je balance tout aux médias, si tu me files pas 10 000 euros, imaginez le pouvoir qu'ils auraient sur moi. Et souvent, je fais des événements privés pour des compagnies, dans les festivals, dans les villages où tout le monde se connaît. Alors, c'est impossible pour moi d'arranger ça quand c'est pour une compagnie privée. Tous les employés sont là. Il y en a 12 qui font l'expérience sur scène. Alors, ces gens-là n'ont pas à faire semblant, puis ça se saurait. Voilà. Imaginez, c'est ça. Donc, finalement, c'est votre compte, votre durée dans le temps qui fait que qui ça devient de plus en plus crédible. Voilà. Ouais, exactement. Ma phrase n'était pas très réussie, la vôtre. Voilà, bravo. De toute façon, c'est vous qui aurez le mot de la fin. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter?
Ah, qu'est-ce que je peux... Ah, bien, écoutez, disons que je suis très choyé par la vie, mais je pense qu'on peut me souhaiter que ça continue. J'aimerais ouvrir des écoles aussi, peut-être dans quelques années, des écoles pour former les gens à se servir de leur subconscient, de leur cerveau. Alors, peut-être que ça arrive. Hein, ouais. Dans D'accord. quelques années, je vais m'y mettre. On forme des vœux pour que ces écoles s'ouvrent et qu'on soit tous amenés à maîtriser, par exemple, la sophrologie, qui pourrait nous faire aimer mieux notre vie, qui sait. Oui. Vous aurez le mot de la fin, disais-je. Je dis d'abord merci à toutes les personnes qui ont travaillé sur ce programme avec amour, parfois même avec talent. Info service de première importance, j'empoigne ceci. Chers amis, nous sommes en plein dans la campagne Cap 48, la grande opération de solidarité de la RTBF au profit des personnes handicapées. Alors vous connaissez le principe depuis bien longtemps, on compte sur vous tous pour acheter les fameux post-it. Cette année, ils ont la tête de Petit Poilu, qui est un formidable petit personnage muet. Petit Poilu, c'est du belge et c'est du bon. 10€ la pochette, il y a forcément des vendeurs bénévoles près de chez vous, donc faites ce petit geste parce que c'est la base de toute l'opération. Et puis rendez-vous aussi sur la Une ce dimanche pour la grande soirée de clôture. Promis, moi aussi, je donnerai de ma personne. Vous connaissez, hein, vous étiez là, je pense que c'était il y a 3 ans. Donc il y a 3 ans, Cap 48, j'ai fait une performance avec quelques animateurs là-bas. Oui. Ça avait très bien marché aussi. Hein. Hypnotiser les gens pour qu'ils achètent les post-it. Et voilà, je regarde qui? Regardez bien ici ce petit carnet, là. Vous l'achetez, 10€, c'est pas cher. 1, 2, 3. Allez-y, allez. Voilà. Alors ensuite, merci beaucoup. La suite des petites infos, 30 octobre, c'est le grand retour de nous qui serons rehaussés par la présence d'une artiste exceptionnelle et culte, c'est Sheila. Elle viendra nous parler de ses succès hors du commun dans l'histoire de la chanson, de ses blessures, de ses passions. Ce sera un grand rendez-vous. Voilà, j'ai assez parlé, je ferme ma bouche pour toujours, enfin pour ce soir. Okay. Et vous avez votre caméra qui est juste là et vous concluez l'émission en disant ce que vous voulez. Bon, OK, je dis ce que je veux. Alors, merci d'avoir été là. Vous étiez extraordinaire à la maison. Je vous entendais réfléchir. J'ai senti votre amour. Alors, je vous aime aussi. Alors, à plus tard. 1, 2 et 3. C'est parti. Bonne nuit.